L'ISTI est une école d'ingénieurs publics qui fait partie de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, membre de l'Université Paris-Saclay, première université française reconnue mondialement. L'ISTI propose quatre filières ingénieurs, donc la filière mécatronique, la filière système électronique embarqué et la filière système numérique pour l'industrie, qui sont en apprentissage. Et la quatrième filière, la filière informatique, se fait sous statut étudiant. Nous délivrons également deux masters dans le domaine de l'informatique, calcul haute performance et simulation, et ingénierie réseau et système. Donc les étudiants à l'ISTI bénéficient à la fois d'un enseignement pratique et d'un enseignement théorique. Ils doivent faire des projets habituellement en groupe et qui sont encadrés. Et une fois qu'ils sont en filière ingénieur, il existe ce qu'on appelle les projets interfilières qui sont réalisés par des étudiants de différentes filières pour mener à bien un projet. Je suis en deuxième année de cursus ingénieur. Je réalise aussi mon contrat d'apprentissage au sein d'un groupe automobile. Alors l'ISTI, c'est une école de taille humaine qui propose un contrat d'apprentissage avec un rythme très régulier. Donc c'est une bonne opportunité, en tout cas pour les étudiants qui peuvent découvrir en fait le monde professionnel. Trois de nos quatre filières se font en alternance. Nous sommes partenaires de différents CFA qui facilitent la recherche d'entreprise pour nos étudiants. L'alternance a beaucoup d'avantages. Outre le fait d'être rémunéré, ça permet à nos étudiants de découvrir le monde de l'entreprise et de mettre en pratique les connaissances et les compétences qu'ils acquièrent au sein de l'école. Dans l'école, la majorité des professeurs sont des enseignants-chercheurs, donc il permet en fait de nous initier directement à des problèmes de recherche. Les cours deviennent plus immersifs, du coup on découvre une autre perspective du cours. En ce qui concerne la recherche, depuis 2016, nous avons intégré le laboratoire d'informatique LIPARAD qui travaille sur les calculs haute performance, sur les simulations. Mais nous avons aussi des connexions sur la robotique, sur les capteurs. Il y a tout un parc informatique mis à disposition des étudiants avec des licences pour des logiciels. Nous avons des Raspberry Pi, des cartes Arduino, des ateliers avec de nombreuses machines-outils et des salles sont mises à disposition pour les étudiants pour réaliser leurs projets. Une expérience à l'étranger pour un étudiant à l'ISTI, elle peut être très enrichissante. Donc elle permet de découvrir différentes méthodes de travail. Elle peut être aussi une belle opportunité pour entrer dans une belle équipe et avoir un rôle assez important. Nous avons des contrats spécifiques avec des universités comme Osai au Japon, Aju en Corée du Sud, LUCAC ou Coventry. LUCAC c'est au Canada ou Coventry en Angleterre. Depuis la création de l'école en 1995, nous avons délivré environ 1250 diplômes. Dans les 6 mois qui suivent, ils ont tous un emploi. Ils ont un salaire moyen de 37 kg par année et la connexion est automatique à travers des stages. Un tiers de la promotion en 5e année ont eu des contrats de professionnalisation avec l'industrie.